Bien, bonjour tout le monde, on est le mercredi 2 juin 2021 et donc une séance sur la gestion de portefeuille et donc on va aborder la notion de diversification. Alors diversification, qu'est-ce que vous entendez par le mot diversification en fait? Pour ceux qui veulent, qu'est-ce que vous comprenez dans le mot diversification? Vous tentez une réponse? Comment? Oui, bien sûr. Oui, par la diversification, dans le cadre de la gestion de portefeuille, j'entends le fait que le capital disponible, on le répartit entre plusieurs titres et plusieurs types de titres de manière à fractionner le risque. D'accord. Très bien. Alors maintenant, le problème, c'est le choix que l'on fait. Si je résume ce qu'a dit Radu, c'est que l'idée de la diversification, c'est arriver à se constituer un portefeuille, donc forcément un portefeuille composé de titres. Et donc, vous savez que lorsque vous avez un titre, à chaque titre sont attachés deux paramètres. D'abord, la rentabilité et bien sûr le risque attaché à chaque titre. Okay? L'idée, c'est de dire, on va se constituer donc un portefeuille dans lequel on va injecter plusieurs titres avec une certaine proportion. Admettons qu'on ait à choisir entre trois titres A, B et C. On va prendre, je ne sais pas moi, 20% de A, 30% de B et 50% de C. On va donc pouvoir calculer une rentabilité moyenne ou une rentabilité espérée. On va pouvoir calculer le risque du portefeuille. Et l'idée, c'est de dire quelle est la meilleure combinaison que je puisse faire afin de ce qu'on appelle diluer le risque. L'idée donc de la diversification, c'est d'arriver à se constituer un portefeuille. L'idée, c'est de se constituer un portefeuille qui aura pour but de maximiser donc la rentabilité et de réduire au maximum le risque. En fait, imaginez que vous achetiez deux actions A et B. D'accord? Donc, on acquiert deux actions A et B. Si on acquiert deux actions A et B, si on suppose que ces deux actions-là proviennent du même secteur, est-ce qu'on peut être satisfait du choix que l'on fait si on prend deux actions du même secteur? Admettons que je prenne une action, j'achète un certain, je dispose, comme dit Radu, d'un montant à investir, je ne sais pas moi, 100 000 euros. Je vais investir 60 000 dans Renault et on va dire 40 000 dans Peugeot. Est-ce que c'est un bon choix? C'est une question? Oui, c'est une question. Vous avez dit combien? 60 000 dans Renault et 40 dans Peugeot? Voilà, admettons que l'on fasse le choix d'investir dans un même secteur, par exemple. Est-ce que c'est la bonne stratégie? Investir donc dans un même secteur, donc prendre deux titres? Non, parce que du coup, si le secteur entier se casse la figure, nos actions, qu'elles soient Peugeot ou Renault, vont se casser la figure. Très bien. Alors, donc, qu'est-ce qui va distinguer deux titres? Quel est le facteur qui va les distinguer, en fait? C'est-à-dire, quand je prends deux titres, à partir de quel moment je peux estimer que mon choix qui portera donc sur ces deux titres va me permettre de diluer le risque en fait.
Déjà, ils appartiennent à des secteurs différents, je dirais, et si leur rémunération est différente, par exemple, un avec un taux de rémunération élevé, on va se dire que c'est un risque, c'est une action risquée, alors que si on prend avec un taux de rémunération bas, on peut se dire que ce n'est pas risqué et du coup, on a peu de chances de perdre. Alors, en fait, on va le voir au travers des calculs tout à l'heure. C'est ça qu'il va falloir bien comprendre. Lorsque l'on prend deux titres, par exemple, si je prends, je me suis pas mis au tableau parce que il y a tellement de formules qu'au tableau, après, c'est assez compliqué. Sinon, j'aurais pu commencer comme d'habitude à faire une partie directement. Alors ici, regardez bien ici. Si je prends un titre A dont je mesure les rentabilités sur une certaine durée, sur une certaine période, j'ai un titre A qui fait ça. Bon, je fais ça de façon schématique. Et j'ai un titre B qui fait ça. Là, vraiment, je maximise la. Vraiment. Donc, quelle est la particularité? Quelle est la particularité liée à ces deux titres? Je vois ce schéma-là et là, j'ai analysé leur rentabilité sur une certaine durée. Qu'est-ce que l'on remarque en fait? On remarque bien sûr, lorsque l'un croît, l'autre croît dans le même sens. Lorsque l'un des titres, lorsque une action chute, l'autre action chute dans le même sens, etc., etc. Quel est le paramètre qui nous permet donc, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire d'un point de vue statistique? Quel est le lien donc entre ces deux titres, le titre A et le titre B? Qu'est-ce qu'on peut dire? Quel est le paramètre qui peut nous renseigner sur cette évolution? Si j'écris ça, vous me dites, est-ce qu'on est d'accord que le titre A le titre Titre grand A et grand B sont parfaitement corrélés positivement. C'est-à-dire, si je relève les rentabilités du titre A, je relève les rentabilités du titre B. Et si je calcule le coefficient de corrélation de A et B, je calcule le coefficient de corrélation de et de B. J'appellerai rho de AB. Ben, dans le schéma qui se trouve ici, le coefficient de corrélation entre A et B est quasiment égal à 1. On appelle ça une corrélation parfaite et positive. Dans ce cas-là, mettre le titre A et le titre B dans le même portefeuille équivaut à mettre le titre A tout seul ou le titre B tout seul. Est-ce que vous m'avez compris? Puisqu'ils sont parfaitement corrélés.
Donc, ça ne sert à rien de mettre A et B dans ce cas de figure. Mais on va le voir tout à l'heure par le calcul. Vous me suivez jusque-là ? Oui. D'accord ? Donc, la notion de corrélation, lorsque, pour bien la mesurer, lorsque vous avez deux titres, et ça, on en avait déjà parlé, lorsqu'on a abordé la droite des marchés, alors, le modèle de marché. Donc ici, admettons que j'ai un titre A et B, là, j'ai rentabilité de A et rentabilité de B, que je relève sur une certaine durée. Donc là, j'ai RA et là, j'ai RB. Dans ce cas précis, la corrélation entre A et B est quasiment nul. D'accord ? La corrélation entre la rentabilité de A et rentabilité de B est proche de zéro. Maintenant, d'un point de vue théorique, si j'ai A et B répartis ainsi. Donc là, j'ai RA et là, j'ai RB. Donc là, je schématise. Admettons que donc là, j'ai RA et là, j'ai RB. Donc, je relève mes... Donc là, R1A, R1B, R2A, R2B, etc. Et je vois que les rentabilités sont toutes, le nuage de points est parfaitement aligné. Dans ce cas précis, on dira que la corrélation est parfaite et positive, c'est-à-dire la corrélation entre A et B, c'est tout simplement 1. En fait, c'est le schéma qui est traduit ici. C'est-à-dire, si je cherche à représenter par un nuage de points les rentabilités de A, du titre A et du titre B sur une certaine période, dans le cas d'une corrélation parfaite, les points sont parfaitement alignés. Rappelez-vous, avec ça, on va trouver ce qu'on appelle l'équation de la droite de régression. L'équation de la droite de régression obtenue par la méthode des moindres carrés. Et ce coefficient de corrélation petite rho est égal à 1 dans ce cas-là. Donc là, la corrélation, elle est parfaite et positive. Maintenant, admettons qu'on ait un titre C, que je regarde le titre C et le titre A, et admettons que le titre C fasse ceci. Oui, le titre C, il fasse ceci. Etc, etc. Vous avez compris ? Donc ici, vous remarquez quoi ? Que lorsque A augmente, C diminue. Donc là, nous avons ce qu'on appelle une corrélation qui est comment ? Négative. Et si on relève, si on trace, on représente d'un côté le titre A, la rentabilité de A et la rentabilité de B, et que notre nuage de points à cette allure-là, donc encore une fois, je le fais de façon schématique, admettons que notre nuage de points prenne cette forme-là. Donc ici, nous avons notre nuage de points qui est comme ça. Là, nous avons un coefficient de corrélation
qui est bien sûr cette fois-ci relation parfaite mais négative. Et on verra tout à l'heure que justement la stratégie dans un portefeuille, là bien sûr en DSCG, on ne va travailler qu'avec deux titres. Et dans un portefeuille, on peut mettre un certain nombre de titres. Alors mathématiquement, il est prouvé qu'il y a une limite qu'il ne faut pas dépasser. Autrement dit, lorsque vous allez constituer un portefeuille, quand vous allez mettre 10 titres, 15 titres, vous allez effectivement diluer le risque, bien sûr en faisant les meilleurs choix, donc les meilleurs compromis possibles. Mais il va arriver à un moment donné, lorsque vous allez rajouter des titres dans ce portefeuille-là, vous allez atteindre ce qu'on appelle un risque en dessous duquel vous ne pourrez pas descendre. Donc là, c'est ce qu'on appelle le risque systématique, donc le risque du marché. Et donc là, c'est le nombre de titres que je peux mettre. Donc là, c'est le risque. Donc là, plus vous mettez de titres, plus le risque diminue. Mais le risque va diminuer jusqu'à une certaine limite. Et là, vous ne pourrez pas aller plus bas. Autrement dit, il y a un risque pour lequel vous ne pouvez rien. C'est le risque systématique qu'on a déjà défini. C'est le risque du marché. L'idée, c'est de dire comment je constitue mon portefeuille pour justement rechercher une grande rentabilité pour le risque le plus faible. Et donc là, on va définir ce qu'on appelle, donc ça c'est Markowitz, ce qu'on appelle la frontière efficiente. On va prendre deux titres et on va essayer de déterminer la combinaison qu'il faut avoir, c'est-à-dire la proportion à investir dans A et la proportion à investir dans B, de telle sorte que pour une rentabilité donnée, on ait le risque le plus faible, et pour un risque donné, on ait la rentabilité la plus forte. Donc tous les portefeuilles qui vont se situer dans cette courbe-là, donc tous les portefeuilles que l'on va retrouver dans cette frontière, c'est pour ça que cette frontière va porter le nom de frontière efficiente, c'est-à-dire tous les portefeuilles qui seront dans cette courbe-là seront de telle sorte que pour un risque donné, on a la plus grande rentabilité et pour une rentabilité donnée, on a le plus faible risque. Alors ça schématise comme ceci. Regardez bien. Ça schématise comme ceci. Donc admettons que là, je prends ce qu'on appelle le repère rentabilité-risque. Donc là, j'ai rentabilité du risque du portefeuille. Risque du portefeuille. Et là, j'ai rentabilité du portefeuille. Et donc là, admettons que j'ai des portefeuilles qui peuvent être comme ça. Là, j'ai des combinaisons différentes. D'accord ? Donc ça, c'est des portefeuilles qui sont constitués, admettons qu'on ait pris deux titres, trois titres, quatre titres, peu importe. En fait, l'idée, c'est de dire, si ce portefeuille-là, je l'appelle A, si ce portefeuille-là, je l'appelle B, il est clair que pour ce risque-là, j'ai cette rentabilité-là. Si j'ai un portefeuille qui va se situer ici, il est clair que tous les portefeuilles qui seront là vont surpasser le portefeuille A. Pourquoi ? Parce que pour le même risque, celui-ci présente une rentabilité supérieure.
Donc, si je dois choisir entre ce portefeuille et celui-ci, je prendrai celui-ci. Est-ce que vous m'avez compris? Si je dois choisir entre ce portefeuille A et ce portefeuille E, je choisirai le portefeuille E. Pourquoi? Parce que le portefeuille E et le portefeuille A ont le même risque, mais le portefeuille E a une rentabilité supérieure à celle de A. À l'inverse, si ce portefeuille-là, je l'appelle F, qu'est-ce que vous faites comme choix entre A et F? Lequel vous choisissez? A ou F? Est-ce que vous optez pour le portefeuille A ou le portefeuille F? Vous avez compris qu'on va opter pour le portefeuille A. Pourquoi? Pour la même rentabilité, le portefeuille F présente un plus grand risque. Donc, à choisir entre A et F, je préférerais A. Est-ce que vous avez compris? Oui. De façon générale, si je trace un portefeuille est efficient si. En fait, tous les portefeuilles, si j'ai une série de portefeuilles ici, j'ai une série de portefeuilles sur cette droite, une série de portefeuilles sur cette droite, si je le choisis entre un de ces quatre portefeuilles, je vais opter pour celui-ci. Parce que pour un risque donné, il obtient la plus haute rentabilité. Toutes les rentabilités ici sont inférieures pour le même risque. En revanche, si j'ai le choix entre des portefeuilles qui seront ici, ce portefeuille-là est toujours préféré à tous les autres. Pourquoi? Parce que pour une rentabilité donnée, ce portefeuille a le plus faible risque. Est-ce que c'est bon? Donc, dans tous ces portefeuilles, le portefeuille efficient, c'est celui-là. Si j'ai simplement ces choix-là, hein, 4 et ces choix-là, donc je vais choisir ce portefeuille. Est-ce que ça va? Oui. Voilà. Bien. Alors. Maintenant, il va falloir passer à la phase calcul. Et on va dire ceci. Après, c'est... Donc là, j'ai ce qu'on appelle la rentabilité d'un titre I, qui est une variable aléatoire. Là, j'ai la rentabilité du portefeuille petit p, qui va être constitué d'un certain nombre de titres. Là, j'ai l'espérance mathématique des rentabilités du titre I, espérance de RI. Soit j'écris espérance de RI, soit j'écris EI. Mais quand j'écris EI, ça veut dire espérance de RI. Donc, je peux indifféremment utiliser cette écriture ou cette écriture. Donc, ça, c'est l'espérance de RP. Donc, ça, c'est l'écart-type de RI, que j'écrirai aussi sigma I.
même c'est la même écriture, la variance de RI, donc c'est l'écart type au carré, XI, XI, c'est la proportion investie en titre I dans le portefeuille. Admettons que j'ai le choix entre deux titres, A et B. XI peut être 0,6. X1 peut être 0,6 et X2 ne peut être que 0,4. Il est normal que la somme des proportions doit toujours être égale à 1, si vous avez bien sûr dans le portefeuille un titre. Est-ce que vous me suivez? Oui, je suis. D'accord. Donc, si vous avez trois titres, si vous avez trois titres 1, 2, 3, si vous avez 20% dans 1, 30% dans 2, vous aurez forcément 50% dans 3, puisque 0,2 plus 0,3 plus 0,5, ça fait 1. Donc, la somme des proportions est forcément égale à 1. D'accord. Ensuite, comme on l'a vu tout à l'heure, il va exister un lien plus ou moins prononcé entre le titre I et le titre J. C'est ce que j'appelle la covariance RI-RG. Mais je vous ai déjà expliqué que la covariance, bien sûr, est un paramètre qui mesure la corrélation entre X et Y. Mais la covariance en soi, on ne sait pas évaluer, on ne sait pas dire, si je vous donne une covariance égale à 34, ça ne vous dit rien. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas sur quelle base a été calculé 34. Donc le calcul de la covariance en soi n'est pas un élément, n'est pas un paramètre suffisant pour nous donner un éclairage quant à la corrélation entre les titres. C'est la raison pour laquelle, une fois qu'on a calculé la covariance, on va calculer un paramètre qui est essentiel. Et le paramètre, alors très simplement pour vous montrer pourquoi la covariance n'est pas un élément qui nous permet d'apprécier directement, admettons que vous fassiez un relevé statistique. Oui, fassiez un relevé statistique et que vous choisissiez deux variables, la variable XI et la variable YI. Donc vous avez la variable XI et la variable YI. Admettons que XI mesure la taille d'un individu. Donc XI mesure la taille d'un individu. Et YI mesure le poids de cet individu. Admettons que l'on fasse un relevé de la taille en centimètres et que l'on fasse un relevé du poids en kilos. D'accord. Donc vous avez une population, vous allez prendre la première personne, vous allez la mesurer, vous allez la peser. Donc elle vous donnera une valeur. Vous prenez une deuxième personne, la mesurer, vous la pesez, deuxième valeur, etc. Donc de façon générale, de façon intuitive, vous avez compris qu'en principe, il doit exister. Si on a une population qui est normalement constituée, il doit exister ce qu'on appelle une corrélation entre la taille et le poids. On va donc calculer, par exemple, comme je l'ai écrit ici, on va calculer la covariance entre la taille mesurée en centimètres et le poids mesuré en kilos. Et on va trouver une certaine valeur. Admettons que l'on trouve 20. Admettons que l'on trouve
10. Admettons que l'on trouve 50. Vous êtes d'accord avec moi que 10, 20, 50 ne nous permet pas de dire s'il existe une corrélation entre la taille et le poids des individus. Est-ce que ça, vous l'avez compris? Oui. En supposant que vous ne l'ayez pas compris, si je prends, donc admettons que là, j'ai fait mon calcul de covariance, je fais ma covariance, et admettons que j'ai trouvé 20. Mais cette fois-ci, le XI, la taille, je ne la mesure plus en centimètres, mais je la mesure en mètres. Et le poids, il reste inchangé. Le poids, je le mesure toujours en kilos. Vous êtes d'accord avec moi que c'est la même population? Il est clair que je vais trouver une covariance qui sera inférieure à 20. Et pourtant, c'est la même population. Donc, le calcul de la covariance ne me permet pas de mesurer la dispersion, pardon, la corrélation entre XI et YI. Mais je sais une chose, donc ça, je vous renvoie à une des vidéos que j'ai faites, je vous encourage à la regarder, qui s'appelle covariance, qui reprend un peu cet exemple-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus la covariance est élevée, plus la corrélation est forte. Donc, quand vous avez deux séries de même nature, vous calculez la covariance de l'une, la covariance de l'autre, et bien celle où la corrélation sera plus forte, c'est celle où la covariance est la plus élevée. Mais ici, c'est la même population. Donc, je vais trouver forcément ici une covariance, je dis n'importe quoi, égale à 10. Est-ce que ça veut dire que cette corrélation, elle est plus faible que celle-ci? Non, puisque c'est la même population. Ce qui change, c'est les unités de mesure. Autrement dit, la covariance dépend des unités de mesure. Et c'est la raison pour laquelle, pour mesurer la corrélation entre deux variables, on va calculer un paramètre qu'on appelle le coefficient. Rho. IJ, qui est égal à quoi? À la covariance de IJ, divisé par l'écart type de I, multiplié par l'écart type de J. Autrement dit, si ici je calcule le rho de XI, YI, je vais trouver le même rho ici, XI, YI. Pourquoi? Parce que j'ai la même série statistique indépendamment des mesures. Je peux mettre ici des centimètres, ici des grammes, je peux mettre ici des mètres et ici des kilogrammes, je peux mettre ici des mètres et ici des grammes, j'aurai toujours le même coefficient de corrélation linéaire. Et donc, l'intérêt du coefficient de corrélation linéaire, c'est toujours un paramètre. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est un paramètre. Rho est un paramètre qui est compris entre moins 1 et 1. C'est le coefficient de corrélation linéaire qui nous permet de mesurer ou de quantifier
la corrélation, le lien entre les deux variables. Mais, comme vous le regardez, le coefficient de corrélation, plus le numérateur est grand, plus le rho est proche de 1, si la covariance est positive. Parce que la covariance est un nombre qui peut être ou positif ou négatif. Donc, ce qui mesure la corrélation, c'est la covariance. Mais nous, en termes de paramètres, en termes de jauge, ce qui nous permet de juger de la bonne ou mauvaise corrélation, c'est le coefficient de corrélation linéaire. J'ai essayé d'être le moins théorique possible, mais c'est des notions qu'il faut bien comprendre. Est-ce que vous avez déjà une question d'ordre un peu même général sur ce que je viens de dire? Non, c'est clair. C'est clair? Donc, oui. Vous regardez bien ici. Vous voyez, c'est pour ça que la corrélation, elle n'a pas d'unité. La corrélation, c'est un nombre sans unité. La covariance, c'est des mètres kilos. Parce que la formule de la covariance, je vous la rappelle, la formule de la covariance dans le cas, dans notre cas ici, la covariance RIRJ, c'est 1 sur n, somme des RI, RIT moins R bar, R bar I, facteur de RJ moins R bar J. Vous voyez là, c'est des centimètres, là, c'est des mètres. Non, pardon, là c'est des centimètres, là c'est des kilos, là c'est des... donc là c'est deux unités différentes. Vous voyez, la covariance, elle s'exprime en unités. Et quand vous divisez par l'écart type de I et l'écart type de J, vous supprimez l'unité. Et donc c'est comme je disais dans l'exemple, en fait l'avantage du coefficient de corrélation, c'est comme une échelle de Richter. Si on vous dit, on vous parle d'un tremblement de terre, vous pouvez estimer que le tremblement de terre est très fort parce que vous avez une échelle de Richter qui va de 0 à, ou de 1 à 9. Quand on vous dit qu'on a un tremblement de terre d'échelle de Richter 9, vous dites que c'est vraiment c'est un cataclysme. Mais si on vous dit un tremblement de terre d'échelle de Richter 1, vous savez que c'est un très très faible tremblement de terre. Donc en fait, le coefficient de corrélation linéaire, c'est exactement la même chose. Vous avez une jauge, moins 1, plus 1. Moins 1, corrélation parfaite négative, plus 1, corrélation parfaite positive. Et c'est pour ça qu'on retiendra cette formule. Vous voyez, quand on fait le produit en croix, vous voyez, faites le produit en croix, et vous obtenez ce qui est là. Vous voyez, la covariance IJ, c'est la corrélation IJ, écart type de I, écart type de J. OK? Est-ce que vous avez une question? Non, moi j'ai pas de question. Okay. Alors, ce
qui est très important, la dernière fois, lorsqu'on a abordé le cours sur les variables aléatoires, donc ça c'est fondamental, lorsqu'on a deux variables aléatoires x et y, lorsqu'on a deux variables aléatoires x et y, et qu'on définit une variable aléatoire z, on sait que si z est égal à ax plus by, on a forcément l'espérance de z, c'est a espérance de x plus b espérance de y. Si on calcule la variance de z, donc la variance de z, c'est a carré variance de x plus b carré variance de y plus 2 fois ab covariance de xy. Et bien sûr, après, c'est variance de x égale a carré. Alors, la variance de x, c'est pareil que l'écart type carré de x, c'est la même chose. La variance de y, c'est pareil que l'écart type carré de y. Et la covariance, on l'a vu tout à l'heure, on peut l'exprimer à l'aide du coefficient de corrélation. Et là, je vais donc écrire coefficient de corrélation entre x et y, multiplié par l'écart type de x fois l'écart type de y. Voilà comment on calcule la variance de z. D'accord ? Alors, bien sûr, ici, j'aurais pu rajouter plus c, mais dans le cas du cours d'aujourd'hui, voilà ce qui m'intéresse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si grand x et grand y sont deux variables aléatoires indépendantes, si grand x et grand y sont deux variables aléatoires indépendantes. Sont deux variables aléatoires indépendantes. Alors, il faut savoir que la covariance de xy est toujours égale à 0. Autrement dit que la corrélation est nulle. Soit, c'est pareil, ρ égale 0. Lorsque ρ égale 0, c'est qu'il n'y a aucune corrélation. S'il n'y a aucune corrélation entre deux variables, c'est qu'elles sont indépendantes. Est-ce que vous l'avez compris? Et dans ce cas-là, la variance de z, c'est a carré variance de x plus b carré variance de y. Et là, bien sûr, ça fait 0. OK. OK. Alors, on va donc passer alors cette fois-ci, on va prendre un portefeuille à deux titres. D'accord ? On va prendre un titre 1 et titre 2. D'accord ? Donc la rentabilité du portefeuille, c'est x1 R1 plus x2 R2. R1 et R2. Sont deux variables aléatoires. Vous avez compris que X1
x1 plus x2 est forcément égal à combien? À 1. Est-ce que ça va? Donc, ce que j'ai ici, l'espérance de RP, si je, là, je peux l'écrire comme ça, espérance de RP égale à x1 espérance de R1 plus x2 espérance de R2. Et dans notre écriture précédente, espérance de RP, je peux l'écrire tout simplement EP. C'est la même chose en fait. Espérance de R1, je peux l'écrire E1. Oui. Et l'espérance de R2, je peux l'écrire E2. Est-ce que ça va? Hein? C'est la même écriture. Hein, je répète, c'est ce qu'on avait juste écrit plus haut, ici. Là, j'ai dit l'espérance de RI, on peut l'écrire EI. L'espérance de RP, on peut l'écrire EP. L'écart type de RI, je peux l'écrire sigma I. Okay. Hein, puisque vous avez le poly. D'accord. Quand j'écris sigma ij, c'est la covariance rirj. Quand j'écris sigma ij, c'est la corrélation entre le titre i et le titre j. Sigma i, c'est le risque du titre i, et sigma j, c'est le risque du titre j. Est-ce que ça va? Donc là, je n'ai pas pris i et j, j'ai pris 1 et 2, titre 1 et titre 2. Est-ce que ça va? Titre 1 et titre 2. Ça va? Tout le monde a bien compris? Oui. Alors ici, vous regardez bien, rappelez-vous la formule 2AB, vous voyez, A, c'est X1, B, c'est X2. Donc 2AB, covariance 1, 2. Et je peux remplacer la covariance 1, 2, comme je vous l'ai dit, la covariance 1, 2, c'est égal à la corrélation entre le titre 1 et le titre 2, multiplié par le risque du titre 1 fois le risque du titre 2. Pourquoi? Parce que la corrélation, le coefficient de corrélation entre 1 et 2, c'est tout simplement la covariance 1, 2 sur écart type 1 fois écart type 2. OK? Est-ce que vous me suivez? Oui, monsieur. OK. Alors, bien. Alors maintenant, ce qu'on va regarder maintenant, puisque un gestionnaire de portefeuille ne va pas s'intéresser à la rentabilité, puisque la rentabilité, c'est quoi? La rentabilité d'un portefeuille, qu'est-ce que c'est? C'est la moyenne pondérée des rentabilités de chaque titre. C'est une moyenne arithmétique. En fait, l'objectif dans la gestion de portefeuille, c'est essayer de réduire donc ce paramètre-là. C'est ce qu'on appelait le risque du portefeuille.
L'objectif, c'est de le minimiser. On ne s'intéresse pas du tout à la rentabilité. Ce qui nous intéresse, c'est le risque. Alors, bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, rappelez-vous quand on a dit tout à l'heure, je vous avais posé l'introduction, c'était celle-ci, que se passe-t-il si on prend deux titres qui sont parfaitement corrélés? Si on prend deux titres, si on prend un titre 1 et un titre 2, si on prend un titre 1 et un titre 2, dont les rentabilités sont représentées par ce nuage de points. Si on prend un titre 1 et un titre 2, dont les rentabilités sont représentées par ce nuage de points. Autrement dit, dont les rentabilités d'un point de vue théorique sont parfaitement alignées. Dans ce cas-là, le rho entre 1 et 2, le rho est égal à 1. Et on verra que dans ce cas-là, la diversification ne sert à rien. Ça ne sert à rien de mettre dans le même portefeuille deux titres corrélés parfaitement, positivement. Ça ne sert à rien. On va le voir. Et donc ici, on va envisager plusieurs scénarios. Plusieurs scénarios. Dites-moi s'il vous plaît, si n'hésitez pas à m'arrêter si ce que je dis n'est pas clair en fait. Je me place ici. Vous allez comprendre. Je me place ici. Alors, je vais prendre, pour que ça soit peut-être un peu plus concret, je vais prendre un exemple. Admettons que j'ai un titre, le titre A. Donc, j'ai le titre A. Titre A. Et le titre B. Admettons que la rentabilité, donc ça, c'est la rentabilité. Et ça, c'est le risque rentabilité, RI, et le risque sigma. Admettons que le titre A a une rentabilité de 8%, le titre B une rentabilité de 12%, le risque du titre A, on va dire 4%. Et le risque du titre B, on va dire 6%. D'accord. Supposons que ces deux titres ont une corrélation parfaite et positive. Admettons que la corrélation entre A et B est égale à 1. D'accord? Et je vais supposer que je mets autant de que la proportion investie dans A est égale à la proportion investie dans B. Ça veut dire que mon portefeuille est ainsi réparti. Est-ce que ça va? Hein, j'ai 50-50. Donc j'ai mis 50% dans A de mon avoir et 50% dans B. Je vais donc calculer l'espérance de RP, ce que j'appelle ici EP.
l'espérance de RP ou EP, c'est tout simplement 0,5. Je multiplie l'espérance de RA, 8%, plus 0,5. Je multiplie l'espérance de RB. Et donc là, vous avez compris que la rentabilité espérée du portefeuille, c'est tout simplement la moyenne arithmétique des deux. Est-ce que ça va? Là, j'applique la formule qui se trouve ici. Puisque j'ai dit que j'investissais la même proportion dans A et dans B. Maintenant, à quoi est égal le risque du portefeuille P? Le risque du portefeuille P, je peux appeler sigma carré de P, c'est 0,5 au carré je multiplie le risque du titre A au carré ça va, plus 0,5 au carré, que multiplie 0,06 au carré, plus 2 fois 0,5 fois 0,5 fois 1 fois 0,04 fois 0,06. Est-ce que vous êtes d'accord? J'ai remplacé en fait. Parce qu'on a dit que ρ, la corrélation entre 1 et 2, la corrélation ici, donc j'ai mis i, mais c'est entre 1 et 2, elle est de 1. Quelqu'un peut me faire le calcul et me dire combien ça fait. Donc ça, c'est la variance que j'ai calculée. En théorie, vous devez trouver 5%. Dites-moi combien ça fait. Pas 5%, vous devez trouver pas 5% ici. C'est ça qui fera 5%, donc vous devez trouver 1, 2, je ne sais pas si ça fait ça.
Peut-être que j'ai encore des zéros. Ben, je vous laisse faire le calcul, vous me direz. Ah bon? Alors, vous trouvez, et qu'est-ce qui vient après les zéros, là? Qu'est-ce qui vient après le 202? Qu'est-ce qui vient après? Après le 2? C'est tout. Prenez la racine carrée. De tout ça. Ça fait combien la racine carrée? La racine carrée de tout ça. Donc 0,0449. Soit le risque du portefeuille est tout simplement égal à 4,49%, ça. OK. Est-ce que ça va? Alors, ce que vous remarquez ici, c'est que 4,49% est quand même supérieur à 4%, en fait. Donc ici, on va le montrer de façon générale. On va montrer de façon générale que la diversification dans le cas d'un rho égal à 1, on va montrer que la diversification n'apporte rien. Regardez bien. Regardez bien. Ici, je vais poser rho égale 1. Je vais poser donc rho 1, 2. Rho 1, 2 égale à 1. Ce qui veut dire que la variance du portefeuille, donc sigma p carré, est égale à x 1 carré, sigma 1 carré, plus x2 carré sigma 2 carré plus 2 fois x1 x2, là c'est 1, c'est bon, là c'est 1, donc que multiplie sigma 1 sigma 2. Est-ce que tout le monde voit ici que j'ai tout simplement une identité remarquable? J'ai a au carré, plus b au carré, plus 2ab. J'ai la forme a plus b au carré. Et donc ça s'écrit comme ça. Donc, le risque du portefeuille, la variance du portefeuille, c'est ça, c'est A carré, donc A, c'est X1, sigma 1, plus B, X2, sigma 2. Le tout au carré. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est pour ça que le calcul qu'on a fait tout à l'heure, on va voir, on a fait peut-être une petite erreur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Et donc là, vous avez compris, comme x1 est une proportion, comme sigma 1 est un écart-type, donc cette quantité est positive, cette quantité est positive, je prends la racine carrée des deux, là ça me donne l'écart-type du portefeuille,
est tout simplement égal à X1 sigma 1 plus X2 sigma 2. Autrement dit, le risque du portefeuille n'est autre que la moyenne arithmétique pondérée des risques de chaque titre. Et dans ce cas-là, la diversification n'apporte rien. C'est pour ça que tout à l'heure, je pense qu'on a dû faire une erreur, parce que normalement, on aurait dû trouver sigma P, on aurait dû trouver 0,5 que multiplie 4% plus 0,5 que multiplie 6%. Et normalement, on aurait dû trouver le risque du portefeuille égal à 5%. Alors, je ne sais pas comment vous avez trouvé le 0,0449 ou combien vous avez trouvé pour le haut. Je n'ai pas compris. Parce que normalement, on doit trouver pile 5%. Et comme je n'ai pas fait les calculs, je ne sais pas. Donc, je résume, lorsque la corrélation est parfaite, donc si la corrélation est parfaite et positive, lorsque rho égale à 1, la diversification n'apporte rien. Dans ce cas, si rho égale 1, la diversification n'apporte rien. Et ça rejoint la démarche intuitive que l'on avait tout à l'heure. Lorsqu'on prend deux titres qui sont parfaitement corrélés, ça ne sert à rien de les mettre dans le même portefeuille, puisque le risque du portefeuille, c'est la moyenne arithmétique des titres. Autrement dit, vous ne diluez pas le risque. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Oui. C'est une question que j'ai entendue ou c'est une approbation? C'est une approbation, monsieur. Alors maintenant, regardez bien. Quand vous regardez cette forme-là, alors, est-ce que je peux effacer? Oui. Donc ça, c'est la variance du portefeuille que l'on veut réduire. Ça, c'est le risque du titre, c'est la variance du titre 1. Ça, c'est la variante du titre 2. Vous m'avez compris? Là, j'ai un signe plus. Pour que cette quantité totale diminue, il serait bien que cette valeur-là soit comment? Quel signe? Quantité doit être négative. Est-ce que vous m'avez compris? Si je rends cette quantité négative, je vais diminuer cette somme. Autrement dit, dans un portefeuille, rho est compris entre moins 1 et 1. On verra que lorsqu'on a un rho théorique, donc un rho égal à moins 1, on peut arriver quasiment à annuler le risque. Regardez.
prenons rho égale moins 1. C'est-à-dire, prenons deux titres 1 et 2, parfaitement corrélés négativement. Prenons deux titres 1 et 2, parfaitement corrélés négativement, c'est-à-dire tel que rho 1, 2, rho 1, 2 égale moins 1. D'accord ? Dans ce cas, la variance du portefeuille est égale à quoi ? À x1 carré, sigma 1 carré, plus x2 carré, sigma 2 carré. Attention, rho égale moins 1. Donc ça, cette fois-ci, c'est moins 1. Donc ça fera moins 2 fois x1 fois x2 sigma 1 sigma 2. Est-ce que ça va? Oui. Cette fois-ci, j'ai encore une identité remarquable. Mais quelle est-elle cette fois-ci? C'est quelle identité remarquable? Cette fois-ci, c'est a carré plus b carré moins 2ab. Cette fois-ci, j'ai tout simplement a carré plus b carré moins 2ab. Et qui est égal à quoi? À a moins b au carré. Donc cette fois-ci, la variance du portefeuille, c'est quoi? C'est a, x1, sigma 1, moins a, moins b, le tout au carré. Est-ce que ça va? Ça va. Ça va? Attention, je cherche le risque du portefeuille. Là, c'est la variance du portefeuille. Le risque du portefeuille, c'est la racine carrée de la variance. En fait, attention, la racine carrée d'un réel, la racine carrée de x au carré, ce n'est pas x. C'est x si x est positif. La racine carrée de x au carré, c'est toujours un nombre positif. C'est la valeur absolue de x. Donc la racine carrée de tout ça, donc le risque du portefeuille, c'est x1, valeur absolue, de x1, sigma 1, moins x2, sigma 2, en valeur absolue. Et si je prends l'exemple de tout à l'heure, où j'avais le titre A et le titre B, j'avais le risque du titre A, c'est 4%, le risque du titre B, c'est 6%, et mon rho
égale à moins 1. D'accord. La question que je peux me poser, c'est quelle proportion dois-je investir dans A et dans B pour que le risque du portefeuille soit nul? Je répète, ma question est quelle proportion dois-je, dans le cas d'une corrélation parfaite négative, quelle proportion dois-je investir dans A et dans B afin que le risque total du portefeuille soit nul? Voilà ce que je vais faire. Je vais résoudre cette équation. Vous êtes d'accord avec moi que le risque du portefeuille est nul si et seulement si ce qui se trouve ici est égal à zéro. Est-ce que vous êtes d'accord? Hein? Si cette différence est nulle, alors le risque du portefeuille est nul. D'accord? Mais X2, c'est quoi? X2, c'est quoi? Par rapport à X1. Vous êtes d'accord avec moi que X2, c'est 1 moins X1. Vous êtes d'accord? Ça va? Je développe. Je développe. Moins X2. Moins par moins plus. X1. Sigma 2. Égale 0. Je mets sigma 1 en facteur. X1 en facteur. Ça fait X1 facteur de sigma 1 plus sigma 2. Et comme j'ai moins sigma 2, je fais égal sigma 2. Donc, X1 est égal à sigma 2 divisé par sigma 1 plus sigma 2. Par conséquent, dans mon cas, pour que mon portefeuille ait un risque égal à 0, la proportion investir dans le titre 1, X1, c'est sigma 2, c'est-à-dire 6%, divisé par sigma 1, 4%, plus 6%. C'est-à-dire, ça fait 0,6. Donc, si j'investis 60% dans A, et 40% dans B, j'aurai un risque total égal à 0. Et vous pouvez vérifier. 0,6 fois 4% moins 0,4 fois 6%, ça fait bien 0. Est-ce que vous m'avez compris? Donc, dans le cas d'une corrélation parfaite négative, on peut effectivement arriver à un risque nul. C'est les stratégies de couverture, en fait. On va bien sûr, la plupart du temps, chercher des actions ou des titres qui sont corrélés négativement.
Admettons qu'on ait 50% de chaque côté. Admettons qu'on ait 50% de A et 50% de B. Quel est le risque du portefeuille P? Alors, je vais le calculer. Le risque du portefeuille P, c'est quoi? C'est 50% de A, donc c'est 0,5 fois 4%, moins 0,5 fois 6%. Si je fais ce calcul en valeur absolue, 0,5 fois 4%, ça fait 2%. 2% moins 3%, 2% moins 3%, ça fait moins 1%. Mais la valeur absolue de moins 1%, c'est 1%. Regardez le risque du portefeuille, il est égal à 1%. 1% est plus faible que le plus faible des deux. 1% est plus faible que 4% et plus faible que 6%. Donc, vous voyez, avec un rho égal à moins 1, en mettant 50-50, on arrive à un risque du portefeuille qui est inférieur au plus faible des deux risques. D'où l'intérêt de ce type de diversification. Et on verra tout à l'heure que dès lors que rho est plus petit que 1, la diversification aura du sens. Mais effectivement, en termes de stratégie, comme vous le voyez ici d'un point de vue mathématique, une corrélation négative va forcément tirer cette somme vers le bas et donc réduire le risque du portefeuille. OK. Je vous propose une pause. OK. En fait, tout à l'heure, c'est Kevin et Morgan. Lorsqu'on a fait, juste rapidement, j'ai refait le calcul, pour rho égale 1, hein, on avait donné 0,049. Et donc, pour rho égale 1, rappelez-vous, on avait trouvé la moyenne, on avait trouvé 5%. En fait, pour rho égale 1, avec 50%, la valeur qu'on m'avait donnée tout à l'heure n'était pas tout à fait juste. Vous devez trouver normalement 0,0025. Ce qui donne au final la racine carrée, ça faisait 0,05, et c'est-à-dire un risque de combien? 5%. Donc votre réponse précédente n'était pas juste. OK. Bien. Essayez de calculer. Alors ici, j'ai trouvé sigma x1 égale sigma 2 sur sigma 1 plus sigma 2. Je peux bien entendu déduire forcément x2 qui est 1 moins x1. Donc, x2, c'est sigma 1 sur sigma 1 plus sigma 2. Vous voyez, si vous faites la somme des deux, ça fait bien 1, puisque vous avez le même dénominateur. Sigma 2 plus sigma 1 sur sigma 1 plus sigma 2, ça fait bien 1. Essayez de calculer maintenant, pareil, essayez de calculer le risque du portefeuille. Je vous donne deux valeurs. Essayez de calculer le risque du portefeuille pour rho égale 0 et pour rho égale 0,2. Allez-y, calculez-moi le risque du portefeuille pour rho égale 0 et pour rho égale 0,2. OK. Allez-y.
Là, j'ai repris les résultats avec rho égale 1, rho égale moins 1. Donc là, c'est bien sûr en valeur absolue. Alors, si on prend le cas où rho égale 0, si on prend le cas où les deux titres, bien sûr, sont indépendants. Enfin, les rentabilités sont indépendantes. Donc ici, le risque du portefeuille, donc la variance de P, c'est 0,5 au carré que multiplie 0,04 au carré plus 0,5 au carré que multiplie 0,06 au carré. Et ça fait combien? Bien sûr, plus 0. Donc ça fait du 0,013. Et le risque du portefeuille, c'est la racine carrée de 0,013. 0,0. Il y a 2 zéros après la virgule. Donc 0,0013. Et racine carrée de 0,013. Ce qui donne 0,036. Et vous remarquez quoi? Le risque du portefeuille est inférieur au plus faible des deux risques. Est-ce que vous avez compris? Vous voyez, 3,6% est plus petit que 4%. Donc ici, la diversification a du sens. Et on fait la même chose cette fois-ci avec un rho égal à 0,2. Donc avec un rho égal à 0,2, on arrive à ce calcul-là. On arrive donc à risque du portefeuille égal 0,5 au carré fois 0,04 au carré plus 0,5 au carré fois 0,06 au carré plus 2 fois 0,5 fois 0,6 fois 0,5 pardon fois 0,2 fois 0,04 fois 0,06. Alors si on fait ce calcul, ça me donne 0,5 carré fois fois 0,04 au carré plus 0,5 carré fois 0,06 carré plus 2 fois 0,5 fois 0,5 fois 0,2 fois 0,04 fois 0,06, ce qui me donne 0, à vérifier, 0,0154. Et si je prends la racine carrée de ce résultat, ça me donne un risque du portefeuille, racine carrée de ça, ça fait du 3,92%. Et vous avez compris, de nouveau, le risque du portefeuille est inférieur au plus faible des deux risques.
Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, si on prend donc un espace, on prend donc un plan muni d'un repère dans lequel vous avez le risque total et d'un côté le risque total et de l'autre côté la rentabilité, donc la rentabilité espérée. Vous avez le risque sigma, et là vous avez la rentabilité. Et donc là, mettons qu'on ait deux titres. Alors bien sûr, tout dépend de la corrélation entre le titre A et le titre B. On verra que si la corrélation est parfaite entre le titre A et le titre B, eh ben, selon la proportion investie dans A ou dans B, là vous aurez quasiment une droite. Et selon la valeur de ρ, vous aurez bien sûr ce qu'on appelle une frontière qui ressemblera à ceci. Selon la valeur de ρ. Ou bien ceci, etc., etc. Et ce que je décris en pointillé, c'est ce qu'on appelle la frontière efficiente. La frontière efficiente. Donc là, c'est selon les valeurs de ρ. Bien sûr, ici, c'est pour un ρ égal à 1. Et lorsque vous avez un ρ égal à moins 1, vous avez quasiment une droite comme ça, puis comme ça. Et ici, si vous regardez bien, donc là, qu'est-ce que c'est la frontière efficiente? Ça veut dire tout simplement, tout portefeuille situé sur cette courbe-là est telle que pour un risque donné, il est la plus grande rentabilité. Et pour une rentabilité donnée, il est le plus faible risque. Autrement dit, tous les portefeuilles qui sont là dominent tous les portefeuilles qui se trouvent au-dessous. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on a appelé la frontière efficiente. OK. Alors, et ici, vous avez ce qu'on appelle le portefeuille associé à ce qu'on appelle la variance minimum. Donc ça, c'est la plus petite variance possible. Variance minimum. Alors mathématiquement, on peut le montrer, mais je vais vous donner la formule qui vous permet de calculer la variance minimum qu'il faut bien sûr connaître. Donc encore une fois, tous les portefeuilles situés dans cette courbe-là sont tels que pour un risque donné, ils ont la plus grande rentabilité et pour une rentabilité donnée, ils présentent le plus faible risque. On dit qu'ils appartiennent ou ils forment la frontière efficiente. Alors, le portefeuille à variance minimale. Alors, dans le colis que vous envoyez, vous avez la démonstration. Donc ça, c'est le portefeuille à variance minimum. Et donc WA,
c'est le poids, c'est la proportion investie dans le titre A. Donc, la proportion investie dans le titre A est tout simplement égale à la variance de RB moins covariance RA-RB, variance RA plus variance RB moins deux fois la covariance RA-RB. Ça, c'est la formule du portefeuille à variance minimum. Et plus bas dans le polic que j'avais reçu, plus bas dans le polic que vous avez reçu, là, j'ai effectivement effectué la démonstration en appelant ici, ça, ça correspond à WA, et ça, c'est forcément WB. Là, il faut dériver, annuler la dérivée, et on arrive à la formule qui est là. C'est exactement ce que vous avez ici. Donc ça, c'est la démo entière. Alors, ça, c'est la démo. On annule la dérivée et on tire la valeur de X. Donc, c'est sigma 2 variance de RB moins covariance RARB sur variance de RA plus variance de RB moins deux fois la covariance de RARB. C'est ce qui est écrit ici. OK? Voilà. Bien. Alors, je vous propose de prendre un exemple numérique. Regardez bien. Là, j'ai ouvert. Là, j'ai ouvert une feuille Excel. C'est pour gagner du temps pour le. Alors, ici, regardez bien. J'ai deux titres. Vous voyez, le titre A. Je vais grossir un petit peu. J'ai deux titres. Voilà. J'ai deux titres. Le titre A et le titre B. L'écart type de A, la rentabilité de A, 5%. La rentabilité de B, 10%. Vous me suivez? Oui. Okay. L'écart type de A, j'ai pris 7%, le risque de A. Le risque de B, donc l'écart type de B, l'écart type de la rentabilité de B, c'est 13%. Et là, bien sûr, j'ai pris la variance RA. Forcément, le carré de 7%, ça fait 0,49%. Et le carré de 13%, ça fait 1,69%. Ici, j'ai pris un taux sans risque de, ça on le verra après, pour le moment, j'oublie. J'ai pris une corrélation de 0,2. J'ai pris une corrélation de 0,2. Et là, j'ai X1 et j'ai X2. Autrement dit, X1, c'est la proportion investie dans le titre A. Et X2, c'est la proportion investie dans le titre B. Si j'investis 100% dans le titre A, si j'investis 100% dans le titre A, ça veut dire que forcément, j'investis 0% dans le titre B. Ce qui veut dire que si j'ai 100% dans le titre A, l'espérance du portefeuille, c'est la rentabilité de A. Et le risque du portefeuille, c'est la variance du portefeuille A. Est-ce que c'est clair? Et le risque du portefeuille, l'écart type de la rentabilité de RA, c'est forcément celle de A, puisque j'ai 100% dans A. Est-ce que ça va?
Donc, en fait, ce point-là, c'est le titre A. Est-ce que vous le voyez ? 7%, 5%. Risque, ici, 7%, et là, 5%. Et ça, c'est le titre A. C'est le portefeuille A. Est-ce que ça va ? Enfin, le portefeuille A, puisqu'il n'est constitué que de A. Et 5%. Est-ce que ça va? Oui. Si je me place ici, quelle est la proportion de A? 0. Et la proportion de B? 100%. Ce qui veut dire que ce portefeuille-là, c'est quel portefeuille? Il est composé que de quoi, celui-là? Il est composé que de B, oui ou non? Si je me place ici, je lis bien risque écart type 13%, vous voyez, vas-y, enlevez. Là, vous lisez bien 13% et 10%. Est-ce que ça va? Je lis bien 13% et 10%. D'accord? Admettons que la corrélation entre A et B soit parfaite. Admettons que là, ça ne soit pas 0,2. Admettons que ça soit exactement 1. Et bien, si la corrélation est parfaite, tous les portefeuilles composés de X1A et de X2B vont tous se trouver sur la droite AB. Ils vont tous se trouver sur cette droite. Tous les portefeuilles constitués de X1A et de X2B vont tous se trouver sur cette droite. Et vous voyez que le risque, bien sûr, est la moyenne arithmétique pondérée des risques. Regardez, si je vais changer ici dans ma formule, je vais modifier. Et je vais entrer ici à la place d'une corrélation égale à 0,2. J'entre une corrélation égale à 1. Je vais générer tous les portefeuilles. Et regardez bien où ils sont. Est-ce que vous avez compris? Ils sont tous sur cette droite. Ça, c'est pour une corrélation parfaite. Si maintenant, je cherche à visualiser les portefeuilles. Le portefeuille, bien sûr, composé des titres A et B, en supposant que cette fois-ci, il soit corrélé négativement, voilà ce que ça va vous donner. Ça va vous donner deux portions de demi-droite, parce qu'il y a une valeur absolue. Ça va vous donner ceci.
moins 1. Voilà, ça vous donne un segment de droite, une demi-droite et une autre demi-droite. Et voilà. Ça, c'est dans le cas où ρ égale moins 1. Bien entendu, les portefeuilles qui se trouvent sur cette portion vont surpasser les portefeuilles qui se trouvent pour cette portion. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien, pour le même niveau de risque, ce portefeuille-là a une rentabilité supérieure à ce portefeuille-là. Autrement dit, la frontière efficiente, c'est cette partie-là. Est-ce que ça va? Ça, c'est pour ρ égale moins 1. Et maintenant, si je reviens à ma position initiale où ρ égale 0,2, j'obtiens une autre frontière efficiente, 0,2. Voilà ma nouvelle frontière efficiente. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les portefeuilles situés dans cette région, dominent tous les portefeuilles qui se trouvent ici? Donc la frontière efficiente, elle est là. Est-ce que ça va? La frontière efficiente, elle est là. Et ça, c'est le portefeuille que j'ai appelé tout à l'heure. Quel type de portefeuille? Ce portefeuille est le portefeuille à variance minimum. Ce portefeuille est le portefeuille à variance minimum. Regardez ici. Là, j'ai la variance du portefeuille. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Que la variance minimum, ici, alors bien sûr, il faudrait affiner. Je vais vous demander si vous voulez bien, et on va le vérifier sur notre schéma. Avec les éléments que j'ai ici, je vais vous demander si vous voulez bien me calculer la fraction, la proportion de titres A et B à variance minimum en appliquant cette formule-là. Calculez-moi X1. Je répète, calculez-moi X1. Calculez X1, WA ici, donc c'est notre X1. D'accord? Je vous laisse faire ça. Allez-y. Calculez-moi la proportion de titre, la proportion du titre A. Et bien sûr, après, par complémentarité à 1, on va déduire celle du titre B. Et on va essayer de voir si on est proche, si on est autour de cette valeur-là.
autour de 80%. Parce que là, je suis passé de 100, j'ai été par pas de 10. Mais on va trouver une valeur plus précise. OK ? Alors, je vous laisse faire ça. Vous avez compris la question ? Avez-vous compris la question ? Puisque vous, vous disposez de la feuille de calcul. Hein. La feuille de calcul, vous l'avez. Et la formule qui est là, vous l'avez. Donc, je vous demande de me retrouver WA. Donc là, je vais simplement recopier pour mes calculs après. Donc, j'ai 7 et 13. Alors, non, pas 7 et 13. Je vais recopier. Alors, j'ai 49 et 1,69. 49. C'est bon. 49. Un 69. Ça, c'est la variance de RA et RB. Ensuite, j'ai quoi? J'ai besoin de quoi? De la covariance RA-RB. Et j'ai le rho qui est égal à 0,2. J'ai rho AB qui est égal à 0,2. J'ai le risque RA qui est égal. Alors, le risque RA, c'est, je crois, c'est racine carrée de 49, donc ça fait 7,07%. La racine carrée, 1,69, c'est la racine carrée de 169, c'est 13. Donc, risque du titre B, c'est 1,3. Non, ce n'est pas des pourcents. C'est 13% et 7%, si je me disais bien. Alors, 13%, c'est pour 1000. Donc, 13% et 7%. Voilà. Vous avez tous les éléments pour calculer et 13%. Donc, essayez maintenant de calculer tout ça et de me trouver WA. Essayez de calculer WA ou tout simplement XA. Donc là, si vous faites le calcul normalement, alors pour éviter les erreurs, bien sûr, il faut convertir tout ça. Donc, si je cherche WA ici, WA ou XA, ça va être donc alors, WRB, la variance de RB, c'est 0,0169. Moins, alors, il faut savoir que la covariance de RA-RB, c'est la corrélation. Elle est égale à la corrélation entre A et B que multiplie l'écart type de RA que multiplie l'écart type de RB. Puisque la covariance, on peut la calculer à partir de la corrélation et des écarts types.
Ça me donne donc moins, donc ρ, c'est 0,2. Je multiplie. L'écart type de RA, c'est 0,07. Je multiplie. L'écart type de RB, c'est 0,13. Divisé par la variance de RA, 0,2049, plus la variance de RB, 0,0169, moins deux fois la covariance. La covariance, c'est quoi? C'est deux fois la corrélation, fois écart type de RA, que multiplie écart type de RB. Et si on fait le calcul, on trouve que la fraction, la proportion du titre A, j'ai trouvé 0,83, 0,4 en arrondissant, ce qui me fait 83,04% affecté au titre A. Et bien sûr, donc ici 96 et donc ici 17,96% affecté au titre B. Donc, effectivement, ici, il fallait être en mesure de calculer la covariance à partir du coefficient de corrélation en appliquant cette formule, c'est-à-dire 0,2 fois 0,07 fois 0,13. Et on va vérifier sur notre feuille Excel pour voir si on a bien les bonnes valeurs. Est-ce que je peux effacer? OK. Alors, on revient à notre feuille. Et donc, ici, regardez bien, je vais modifier un petit peu. On a dit, vous voyez, 0,80, c'est 44. On va voir si on a plus faible. Donc, ici, je vais insérer des cellules. Je vais insérer ici. Insérer une cellule. Je vais insérer une autre cellule. Et encore une autre cellule. Voilà. Et là, on a dit, alors peut-être encore une autre. Là, on va passer de 80%. Je vais passer à 81%. 81%. Donc là, je vais recopier ma formule vers le bas. Donc là, j'ai 83. Je vais tirer cette formule vers le bas. Je vais tirer cette formule vers le bas. Et je vois que je n'ai pas assez de précision. Je vais grossir un petit peu ici. Je vais essayer de prendre plus que deux décimales. Je vais réduire un peu. Je vais ajouter des décimales. Et regardez bien, vous voyez, on est bien à peu près à 83%. Vous avez compris? D'accord? OK.
Vous voyez, 0,43, 117. Donc, et la variance minimum est de 0,43. 0,43 pour 83% sur le titre A et 17% sur le titre B. C'est ce que avait donné le calcul de variance minimum. OK ? OK. Bien. Alors, je vous invite à vous aviez un sujet. Je vous ai distribué. Envoyé un sujet. Est-ce que alors, on peut essayer de faire l'exercice peut-être numéro 4. On vous dit ceci, on vous donne les informations suivantes. On vous donne les informations suivantes. Rendement espéré du titre A 0,15, titre B 0,20, écart type titre A 0,25, écart type titre B 0,30. Vous savez qu'un portefeuille formé de ces deux titres donne un rendement de 17% et un écart type de 19,21%. Question, déterminer la pondération de ce portefeuille dans chacun des deux titres, dans chacun de ces deux titres, et déterminer le coefficient de corrélation entre ces deux titres. OK. Le mieux serait de commencer par plutôt celui-là, d'accord? Par l'exercice numéro 3, d'accord? Comme ça, vous appliquez les formules qu'on a vues ensemble. C'est plus pratique, d'accord? Donc, je vous invite à faire le numéro 3 plutôt que le numéro 4. On fera le numéro 4 un peu plus tard, mais faisons le numéro 3, d'accord? Sur un peu. OK. Alors, ouais, le premier cas avec une corrélation égale à 0,3. Et donc,
ici, on me demande le rendement espéré du portefeuille. Donc, je vais écrire espérance de RP, d'accord? Alors, le poids, c'est 40-60. Donc, ça fait 0,4. Espérance de RA plus 0,6. Espérance de RB. Est-ce que ça va? Non, aidez-moi au moins à faire les calculs et dites-moi combien ça fait. Et dites-moi combien ça fait. Donc, espérance de RP. Merci Morgane. Donc, 0,89. Ah bon? 0,89. 0,89. OK. Ah, c'est mieux. 0,19. OK, je préfère. 0,19. Ensuite, l'écart type du portefeuille. Alors, regardez bien. Je vais d'abord calculer la variance du portefeuille. Je vais d'abord calculer la variance du portefeuille. Et je vais prendre ensuite l'écart type. La racine carrée, pardon. Donc, ça fait 0,4 au carré que multiplie 0,2 au carré plus 0,6 au carré que multiplie 0,4 au carré plus 2 fois XA 0A pardon pas 0A 0,4 fois 0,6 fois la corrélation fois le risque du titre A fois le risque du titre B. Est-ce que ça va? Et ça me donne combien? Ne vous trompez pas. Alors, je peux vous aider. Je vais essayer de vous aider à le faire. Donc, 0,4, 0,4 carré fois 0,2 carré plus 0,6 carré fois 0,4 carré. Alors, Morgane est là. 0, pareil. OK, donc c'est bien. Donc, 0,0. 755. 2. OK. Très bien. Et le risque du portefeuille, la racine carrée, Morgane, s'il te plaît. Racine carrée de ça. Très bien. 0,0, 27. 48. Très bien. Maintenant, si on fait la même chose, cette fois-ci, avec une corrélation égale à moins 0,6. Donc, si tu veux bien juste, Morgane, me modifier à la place de 0,3, si tu veux bien simplement entrer ici, moins 0,6.
Et on verra que dans ce cas-là, la diversification aura plus de sens. Et donc, on fait le même calcul et ça me donne combien donc pour le risque, la variance du portefeuille. C'est ça, Morgane, c'est pour cette partie-là. Et donc, le risque du portefeuille, ça donne quoi? Ça, c'est la variance. Et la racine carrée, c'est combien? La racine carrée de 0,0, voilà. 0,20, 24. Voilà. Donc, on voit bien qu'avec une corrélation négative, le risque du portefeuille a diminué. Est-ce que c'est bon? Ici, avec une corrélation de 0,3, le risque du portefeuille est de 0,27, alors qu'avec une corrélation de moins 0,6, le risque est tombé à 0,20. Alors, bien sûr, on peut améliorer le risque du portefeuille en modulant la proportion du titre A et la proportion du titre B. Il est normal, vous voyez, on a investi. Pourquoi on est légèrement au-dessus de 0,2? Parce qu'on a investi 60% dans le titre B qui présente le plus fort risque. Vous avez compris? On a investi 60% dans le titre B qui présente le plus fort risque. Et bien sûr, cette diversification nous a permis quand même de diminuer le risque global. OK? Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine et bonne soirée à tout le monde. Merci, bonne soirée à vous aussi. Allez, au revoir. Au revoir.